Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire pour se parler de la nouvelle lune du 13 janvier, une nouvelle lune en Capricorne. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une très belle année 2021, une année qui amène, je pense, de nombreuses questions auprès de pas mal de monde, un petit peu une année où on espère beaucoup et où on peut tout autant avoir peur. Et c'est toujours intéressant, finalement, ces périodes-là, où on se rend compte que l'espoir et la peur sont quelque part dans le même fuseau horaire, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Et cette première nouvelle lune ouvre le bal de cette année, donc elle est pas mal importante, mais il faut bien voir que tout est cyclique, tout est par phase. Et comme vous avez pu le voir dans le conseil des trois, on a un petit peu parlé du reste de l'année, on a vu que c'est vraiment ce début d'année qui est chargé, et qu'après, ça va un petit peu se déblayer au fil du temps. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous donner des nouvelles en fait. Donc actuellement, je vous tourne encore cette vidéo en étant en Crète. Dans quelques jours, je ne serai plus du tout en Grèce, mais je serai à nouveau en France. Donc pour les prochaines vidéos, il va y avoir un nouveau décor que je vais moi-même découvrir. C'est pour moi une année, on va dire particulière, mais 2020 l'était tout autant. 2020, je suis partie du Québec pendant 6 mois de l'année 2020. Et là, pour cette année 2021, finalement, je reviens au Québec en avril. Donc ça fera pas la même chose, ce sera pas 6 mois en France et 6 mois au Québec, mais c'est pour moi une année de grand retour. Et j'ai pas mal de surprises, ou plutôt des choses qui me tiennent à cœur, tout simplement, que j'ai envie de partager avec vous. Et ça va se faire à son rythme, je vous le dis plus pour moi que pour vous ici, parce qu'il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment, on peut se demander, mais comment ça va être possible? Et une chose que je me dis, c'est que ce début d'année, comme tous les débuts d'année, je veux dire, on est en plein hiver, à nous de savoir prendre le temps, à savoir répondre à nos besoins, à ne pas nous sursolliciter, que ce soit en voyant du monde, ça vous allez me dire, on a un petit peu de mal de toute façon à ce niveau-ci, mais tout de même, voir du monde, ça peut être aussi être devant son écran, avoir l'impression d'être avec du monde parce qu'on voit les informations des autres, mais finalement, on n'est ni avec les gens, ni avec soi-même. Donc je pense que c'est entre guillemets une vigilance par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre bien-être à observer. Et puis, on va dire que les choses vont aller bien assez vite. Le mois de janvier, c'est un long mois, mais c'est un mois qui, je trouve en tout cas, pour ma part, va déjà très vite. Donc voilà pour les nouvelles dans les grandes lignes. Pour le reste, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'alchimie des astres, donc la formation que je propose pour apprendre à interpréter une carte du ciel, dont les inscriptions sont toujours ouvertes, donc ça va commencer le 30 janvier et on terminera en juin. Donc c'est une aventure en tant que telle, une aventure parce que je vois à quel point c'est pas forcément évident, dépendant des gens, mais d'être présent dans un groupe, pourtant il y a bien un groupe qui est là, de dire comment on se sent, tout en apprenant un langage tel que celui de l'astrologie. Un langage et quelque part aussi une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre. On rencontre l'astrologie, c'est pas juste on l'apprend, on la rencontre. Voilà. Alors là, on va faire avec. Il y a du soleil qui s'en vient. On verra ce que ça donne. Je vois que je suis un petit peu coupée au niveau lumineux, mais là... Là, j'aurai trop le soleil dans les yeux. Donc voilà, donc simplement, vous pouvez donc vous inscrire. Jusqu'à mi-janvier, il y a un prix de bienvenue. Ensuite, ça va augmenter. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous vous demandez est-ce que c'est pour vous, par rapport à la période que vous vivez, par exemple. Voilà, donc je reste ouverte par rapport à tout ça. Et puis, ce sera tout pour cette vidéo, enfin pour cette introduction. Je veux juste vous dire qu'il y aura sans doute un direct d'ici la fin janvier, directement sur YouTube, je pense, parce que ça fait longtemps.
Et puis voilà, j'ai bien assez parlé, mais j'ai envie aussi de prendre le temps. Je sais que pour certaines personnes, cette introduction va être trop longue, mais justement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut aller trop vite aussi. Et même moi, parfois, je peux avoir une tendance, au-delà du fait que je suis enthousiaste et que mon débit peut s'accélérer, bah parfois on veut aller trop vite, on veut tout de suite le résultat et on prend plus finalement l'importance de l'intégration, de la présence, de l'ambiance en fait. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, sa particularité, c'est que le Soleil et la Lune sont conjoints à Pluton. Et il se passe beaucoup de choses parce que comme vous le voyez, hein, on voit un énorme trait rouge. Et ce trait rouge, hein, ce carré, se passe entre Saturne, Jupiter et un brin de Mercure et Mars, Uranus, Lune Noire. Mais ça, on s'en parle après. Déjà, donc là, le Soleil et la Lune sont en Capricorne, conjoints à Pluton. Donc ici, il y a comme en ce début d'année, ce nouveau cycle nous réouvre sur une problématique, on va la nommer ainsi, qu'on connaît déjà, à savoir les vieilles fondations qui ne fonctionnent plus. C'est ça qui est mis en lumière. Ce qui est mis en lumière, vu qu'il y a Pluton, c'est également les peurs, c'est également donc les résistances qui sont encore présentes pour changer. C'est également peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont cachées, qui ici vont être mises en lumière. Alors bien sûr, quand je dis mise en lumière, on reste dans une nouvelle lune, c'est-à-dire qu'en nouvelle lune, le ciel est noir. Donc en même temps, ça peut être plus ressenti comme le fait de plonger dans nos profondeurs, de plonger dans ce qui finalement a été sous-jacent pendant toute l'année 2020, et là, il va y avoir une opportunité de rentrer dedans, durant le cycle. Donc ça débute ici au 13 janvier. On va le voir hein, avec ce qui se passe avec Mars, Uranus et tout le reste. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'insatisfaction. On n'a pas besoin de l'astrologie pour savoir ça. Mais sinon, d'un point de vue personnel, il y a aussi quelque part cette excitation intérieure, cette envie d'avancer très forte, mais qui en même temps peut encore se confronter à des blessures émotionnelles assez vives, à des choses en fonction d'où on en est, qu'on a besoin finalement de plonger dedans davantage, parce que ce serait quelque part se mentir que de ne pas aller voir les choses qui nous dérangent à l'intérieur de nous. Un Soleil-Pluton, c'est vraiment cette notion de mettre en lumière nos forces, notre force en termes de puissance. Quels sont mes pouvoirs, mes capacités? Mais on est dans le signe du Capricorne. Donc c'est des pouvoirs, des capacités qui sont avant tout de l'ordre, de l'essentiel. Voir en fait c'est quoi le ciment de votre être. C'est quoi le ciment de votre vie. Sur quoi vous vous appuyez tout simplement, hein. C'est quoi qui vous soutient. Pour beaucoup, c'est une période où on va voir le vrai visage des gens qui nous entourent. Faut voir que le Capricorne, hein, on travaille toujours avec le Cancer. Le Cancer, quelque part, c'est ceux qu'on considère comme notre famille, même éloignés, hein, par certains aspects, vu que là on est dans l'énergie Capricorne, et c'est bah, de révéler la vulnérabilité de chacun. C'est-à-dire que quand quelqu'un faillit à nos yeux, c'est-à-dire que quelqu'un ne nous soutient pas alors qu'on comptait sur lui, ce n'est pas parce que il avait une intention mauvaise, mais parce que ben, la personne était prise aussi par ses propres mécanismes, ses propres croyances, ses propres émotions. Et c'est en cela que dès qu'on touche à l'énergie du Capricorne, il convient de prendre de la hauteur pour observer ici ce qui est nos ombres, nos démons, peu importe comment vous appelez ça. Mais ces ombres et ces démons sont finalement à prendre en considération. Pourquoi? Pour pouvoir amener le changement. Et le changement ici par rapport à cette carte, ça se passe comment? On a donc Saturne, Jupiter, Mercure en Verseau. Donc ici, on a des nouvelles idées qui peuvent fuser. On a un désir d'ouverture, d'être en relation peut-être encore plus forte qu'auparavant. Au niveau des réseaux, de tout ça, il peut y avoir des formations, autant des formations qu'on offre, que l'on reçoit, plus de communication,
parce que c'est Jupiter-Mercure hein, que je vous dis ça. Mais en même temps, donc il y a comme une générosité qui est là, mais en même temps, dans l'énergie du Verseau, il peut y avoir, qui commence à s'insinuer doucement, une tendance quelque part à l'intransigeance. À dire, bah, vous voyez, si vous voulez que les choses avancent, eh ben, il faut prendre cette voie-là, parce que cette voie-là, ça va aider, on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, le plus grand nombre. Donc ça, c'est d'un point de vue plus global. D'un point de vue plus personnel, on peut vraiment avoir ce goût de se dire, bon allez, c'est nouveau, il faut y aller. Mais dans les faits, pour pouvoir y aller, pour pouvoir aller vers ce nouveau, vers ce nouveau soi, qui est notre soi finalement profond, ben, il faut aller dans nos profondeurs. Et ça, c'est quelque chose qui peut être oublié. À force finalement de se dire, bon bah, là j'ai peut-être trouvé un semblant de stabilité pour certains. Il y a un semblant de stabilité qui peut être là. Hein. Tous ceux qui avaient des planètes en Capricorne, etc., ça a pu créer, le fait que Saturne et Jupiter ne sont plus là, ça a pu créer comme un soufflet bienvenu, enfin un nouveau souffle, de se dire « Ah, c'est moins lourd !» Mais dans les faits, ce n'est pas parce qu'une situation paraît plus posée d'un point de vue personnel qu'on n'a plus finalement à aller voir en nous bah, les choses qui n'attendaient quelque part peut-être que ça, que la vie entre guillemets nous laisse plus tranquille pour pouvoir être vu. Donc il faudra bien voir que tout changement demande un effort préalable, et cet effort ici d'un point de vue individuel, il est réellement au niveau de regarder qu'est-ce qui, dans le noir, me démange, qu'est-ce qui me grignote en fait. Donc ça peut être pour certains des petites choses, dans le sens des pensées petites mais redondantes, donc ça crée quelque chose d'énorme, et pour d'autres, là, c'est la porte ouverte, en fait, au gros dossier, j'ai envie de dire. Mais il faut bien voir qu'ici, ces gros dossiers, grâce au fait qu'on a Mercure, Jupiter et Saturne en Verseau, ben, c'est comme si on va pouvoir les clôturer, parce que c'est plus la même personne. C'est comme si ces gros dossiers sont déjà revenus par le passé, hein. Mais là, on est à même, vu qu'on a évolué, etc., de les traiter d'une façon différente. L'unique chose, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que donc, tout ce beau monde-là est en carré à Mars-Uranus. Mars-Uranus ensemble, ça nous fait penser à une explosion. En taureau, donc, ça peut mettre du temps, quand même, un petit peu à exploser. C'est pas comme en bélier. Mais ça peut être conséquent aussi. Faut voir que l'énergie du taureau nous parle toujours de nos valeurs personnelles, de qu'est-ce qui est important, de la nature, de l'alimentation. Et là, ça nous amène à revoir ces aspects-là, en fait, de notre vie. Et c'est comme si, énergie verso taureau, si vous voulez, hein, là, quelque part, bon, il y a beaucoup de planètes dedans, mais là, ce qui est vraiment essentiel à voir, c'est que le verso a une vision. Le taureau est donc concret. C'est-à-dire que pour l'important pour le Verseau, c'est le futur. Quand j'ai le Verseau, encore une fois, c'est une énergie, je parle pas du signe. Hein. Donc, c'est le futur. Donc, c'est créer des projets, de se dire, bah, tu vois, j'ai tel et tel projet, donc là, c'est bon, j'ai une vision. Elle est essentielle, tout est essentiel. Toutefois, pour le Taureau, c'est pas assez concret. C'est-à-dire que là, on a un Mars-Taureau qui nous dit, moi, je vais aller dans le concret, je veux aller à mon rythme aussi, et je connais que ce qui est là, quoi, palpable. Et là, nous, avec un Mercure, surtout Jupiter en Verseau, on pourrait avoir plein d'idées, et ça peut donner une tension intérieure, parce que le Mars Taureau, il est en mode, ben ouais, mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Moi, je peux faire qu'un truc à la fois. Le fait est, c'est que ce Mars n'est pas tout seul, il y a donc Uranus hein, dans l'équation, donc on pourrait dire que c'est soutenant. Uranus, hein, maître du Verseau, où il y a Mercure, Jupiter, Saturne. Mais là, quelque part, d'un point de vue individuel, la bonne façon de vivre ça, c'est donc de ralentir le plus possible. Donc d'arriver peut-être à se couper de sollicitations extérieures, comme je le disais au tout début, mais d'un point de vue ici sociétal, on a vraiment un mélange qui nous dit « oui, ça pourrait péter ». Alors après, tout est relatif, ça peut être, vous voyez, des sortes d'éruptions, moi je vois un peu comme un volcan, comme des informations qui fusent, il y aura peut-être des discours, des choses qui vont être dites, qui vont venir choquer, qui vont venir marquer, de façon qui vont prendre en fait une importance considérable, parce que on est dans un environnement de tension. J'ai trop de soleil. Également, ce qui est essentiel à voir, c'est qu'on tourne un petit peu en boucle hein, dans cette carte. Sincèrement, je vais découvrir, peut-être que vous ne me voyez pas du tout et je m'en excuse, mais l'essentiel, c'est que vous m'entendez. Donc, Vénus, elle est en Capricorne. Donc, Vénus maîtrise Mars-Uranus, mais elle est en Capricorne, donc on retrouve, elle est en très bien aspectée avec Mars-Uranus. Donc on retrouve une volonté, une envie
de s'ancrer, de se structurer, mais d'une façon nouvelle. Vénus, Trigone, Uranus. On veut trouver notre liberté, mais en ayant conscience que c'est à nous de créer une nouvelle réalité. Le fait que Vénus en bon aspect à Mars, ce qui est bien, c'est que ce Mars Taureau, lui, il est prêt à agir dans le concret. Vénus Capricorne, sa force, c'est de se dire c'est quoi l'essentiel, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, et en même temps d'avoir une certaine ambition, donc de se dire bon bah ok, il y a ça que tu vas faire en premier, puis ça, et pour le Mars Taureau, c'est parfait, parce que lui, quand tu lui dis tu fais une chose, tant que c'est dans le présent, il va bien. Si tu lui demandes de regarder trop loin, comme les énergies qu'on aurait en Verseau, là ça va plus, c'est pas gérer ça. Donc, on a quand même, c'est bon à préciser, enfin je trouve, regarde les degrés, on a toujours Neptune qui est, même si c'est à 3 degrés, qui est en aspect, là l'aspect n'est pas noté, mais elle est en aspect à 3 degrés péré à l'axe des nœuds. L'axe des nœuds qui est en Gémeaux Sagittaire, et Neptune qui est en Poisson, donc il y a toujours cette notion d'énergie mutable, donc on est dans une grande mutation. Sauf que cette mutation, à s'acter dans la matière, bah, ça met plus de temps. Et donc ce qui est beau ici, à se souvenir en arrière-fond, que tout ce qu'on souhaite quelque part, c'est d'être en relation les uns avec les autres, c'est d'avoir plus de légèreté, et c'est d'être plus dans notre quotidien, dans notre environnement qui est là immédiatement. D'être moins dans les croyances, d'être moins, de voir moins les autres à travers nos filtres. Donc il y a un désir d'ouverture. Sauf que là, en début d'année, on a besoin, quelque part, hein, la Lune est en Capricorne, on a besoin de choses concrètes, on a besoin d'être réaliste. Le tout, c'est de ne pas être pessimiste, parce que il y a une possibilité de l'être hein, aussi, hein, faut pas se le cacher. Mais avec toutes ces énergies-là, on a vraiment cette notion de on veut bâtir quelque chose de nouveau, on sait que ça va passer par des moyens nouveaux aussi, donc on a des visions, on voit des choses, pour certains, ils y sont déjà, sauf que dans la réalité, on nous dit « Eh, il y a encore des choses qui sont cachées, il y a encore des choses qui vont débarquer, qu'on va commencer à voir. » Et comme je vous le disais, d'un point de vue individuel, ça peut aussi toucher donc nos rapports humains, bien entendu. Donc voilà, à qui je peux me fier? À quoi je peux me fier? Le Capricorne, c'est l'intégrité. Donc moi, par rapport à mon intégrité, envers quoi? Envers qui je peux avoir confiance? Et à partir de là, on va commencer à construire une voie nouvelle. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette carte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai commencé des petites vidéos, c'était des questions que vous m'avez posées, donc astro-questions, je vous invite à les regarder, c'est très court et c'est fait exprès. Je suis pas là pour vous faire un cours sur telle ou telle chose, je suis là plus pour répondre à ces petites questions qu'on peut se poser sur l'astrologie sans trop savoir que. Alors il y aura des questions des fois un peu plus, on va dire, techniques, hein. J'ai eu des questions de personnes qui s'intéressent vraiment à l'astro, et voilà. Donc vous verrez. Chacun regarde s'il a envie, si vous n'avez pas envie, c'est toujours vous qui choisissez, ça n'a pas d'importance. Mais moi, ça me fait plaisir, en fait, de répondre comme ça, et que ça reste, en fait, hein, quelque part, sans forcément faire quelque chose de long. Et je vous remercie pour tous vos messages, j'ai pas encore eu le temps d'y répondre, et n'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, parce que, ben, on en est là, quelque part, à reprendre ce pouvoir individuel, et de voir que, ben, moi, quand j'aime quelque chose, ben, j'amène cette chose, voilà, dans cette vidéo, à être vue, à faire partie de la réalité que j'ai envie de partager, en fait. Hein. Et c'est pareil avec ce qu'on va acheter, en fait, en tant que tel, en général. Et de voir, en fait, que le pouvoir, il est quand même aussi là. Parce qu'on a tendance à le dénigrer. Ou, oh, c'est rien de mettre un j'aime ou de partager. Ben, non, en fait. Bref, il n'y a pas mort d'homme, hein, on s'entend. Mais c'est juste pour prendre conscience que bah justement, ça vaut peut-être pas grand-chose d'appuyer, bah alors pourquoi pas qu'on quelque chose nous plaît, encore une fois. Voilà. Donc je vais vous laisser. Le soleil est en train de... Ouh. Je me prends pas, hein, c'est pas du tout ça, parce que je sais que là où je vais aller, il va faire bien plus froid. Mais bon, bref. À l'occasion d'ailleurs, vous avez dû voir aussi qu'il y a des lives. Enfin, je vous mets des choses qu'il y avait sur Instagram. Je vous invite vraiment à venir sur Instagram aussi, mais surtout sur mon infolettre, attention. Mais parce qu'il y a des choses que je partagerai peut-être pas forcément sur YouTube. Et puis voilà, je vais m'arrêter, hein, je parle trop. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.